Salut à tous et bienvenue sur la chaîne TechMatech. Aujourd'hui, installation des chicanes Quiet Baffle. Bien, alors aujourd'hui, j'en ai un ras-le-bol de casser les oreilles à moi-même et aux autres. Parce que c'est des short shots et je dois avouer que ça tabasse pas mal. C'est insensible des esgourdes. Voilà, je deviens sensible, je deviens fragile. Et puis c'est surtout pour être en conformité avec la marée chaussée. Bon, bien que on ne m'a jamais encore arrêté. Mais dans le doute, je préfère installer des Quiet Baffle. Donc, pour commencer, première étape, c'est d'enlever les caches chromées sur ce modèle-là. Donc, c'est parti. Ouais, de toute façon tout le monde sait démonter. Moi je monte vite fait, mais voilà. Je monte vite fait ce qu'il y a, voilà les vis là. C'est des petites vis. Vous avez ces colliers là enlevés, vous en avez plusieurs tout le long des caches chrome. C'est les caches chrome, donc il va falloir les retirer. Allez, c'est parti. Bien, donc maintenant on a retiré les caches. Je vais démarrer la bécane pour vous faire entendre le son de base. Donc c'est les petites chicanes de Vans, hein. Donc c'est des chicanes micro. Hein. Les short shots. Les short shots, ouais. Donc là c'est le bruit standard. Au même niveau avec la chicane, peut-être pareil. Avec un peu de chance le son. Donc là, on va retirer les chicanes. Par contre, je vois qu'il me faut des clés Allen. Aurais-tu des clés Allen? Bah j'ai tout. Un pouce à mon avis. Ah bah non, j'ai pas. Bah, j'ai essayé celle-là, mais à mon avis, c'est un pouce. C'est du Solstice. Quoi que c'est vendu en France, je sais pas. Oui, ah non, c'est des bon. Françaises. Oui. Tout ce qui est parti en dehors de la bécane châssis, c'est US. Pourtant, Vans. Européen. C'est... Ouais, mais même, c'est. Regarde les miennes, c'est pareil. Hein. C'était du français, du padis français. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment dès que tu tapes sur le châssis, vraiment d'origine, là, c'est de l'US. Donc, il y a les vieilles chicken mytho. Eh, monsieur l'agent, mais bien sûr que si, que j'ai des chicanes. Merci, mon bon monsieur. Et après dit, ah oui, effectivement, on pouvait repartir. C'est vrai que ça va être marrant. C'est à retirer ce tuyau. Bon, déjà, ça vient. Hop. Voilà, donc vous pouvez constater. Donc ça, c'est la chicane qui est installée de base. Donc ouais c'est... Moi, j'appelle marrant. Ça des chicanes mytho. Parce que tu vois l'intérieur là, comment c'est foutu. Bah... Franchement, faut m'expliquer comment tu réduis le bruit avec ça. Voici, on voit qu'il y a des spirales, donc ça tourne. Et bon, on va enlever l'autre. Tu as fait un démarrage après. Oui, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on va voir. Pour un peu le son diabolique. Moi, je pense que ça change que dalle. Voilà, donc deuxième chicane retirée. Donc là, à partir de là, nous, on va mettre. Alors, ça va être sur la watch, hein, parce qu'à pécho les bruits. Les décibels, ouais. Donc, on va l'enclencher. Vas-y, démarre. Vas-y. Effectivement, ça envoie plus. Si, quand même, on va avouer que
ces petites chicanes-là, elles sont quand même assez efficaces. Je pense que t'as rien que le fait de les avoir retirées, je pense qu'on prend 2 décibels facile. C'est ça. Bah là, du coup, on était à 92. Ouais. 94, non? Ouais, mais ça, c'était ouais, taquet, d'accord. Mais en ouais. Repos, on était à 92. Alors là, on va faire l'installation. Alors surtout, vous voyez, la mousse autour, c'est de la fibre de verre. Donc la touchez pas à la main... à la main directe, mettez des gants, sinon ça peut vous rentrer dans la peau et vous gratter longtemps. Toujours. Toujours des gants orange, ça, sont pas professionnels. C'est pas des Black Mamba. Non, ça c'est du orange Harley. Ça. C'est du orange mytho ça. Ah ouais, ils sont bien ceux-là. Ouais, il me paraît bien petit pour tes grosses mains. Non, du tout. Comme dans l'Uber. Penchez-vous devant, monsieur. Allez, on va essayer d'insérer la première. Insérer là. Alors, avant tout, on va retirer la vis. En fait, je pense que le plus compliqué, ça va être de faire coïncider les trous, enfin ce trou-là, avec l'intérieur. Et la laine, ça va pas. Et la laine, on va voir. Essayez là. Ouais, c'est chaud. Pas convaincu. Ouais, en rotation. Enfin, en vrier. C'est un peu la merde. Oh là, on a mis un petit coup de scotch voilà. Avec ça, un ruban adhésif comme ça, sur la chicane tout voilà, autour. Compressé au max. De toute façon, le scotch va être fondu quand on va démarrer. Alors, de toute façon, sur les. Parce que ça, c'est des chicanes. Si vous voulez la référence d'ailleurs. J'en ai eu pour moins de 50 euros les deux, livraison inclus. Pas cher. Voilà, pas cher. Quand je vois les miennes, et encore, c'est même pas pour la pour ma ligne, c'est 75 balles la chicane. Ah bah voilà, tout de suite c'est mieux. Ah, tout seul. Ah, par contre, c'est ça, c'est trouver le trou maintenant. Donc là, je cherche jusqu'à contact. Et dès que c'est dur, un quart d'heure. Donc voilà, ça donne ça pour la première. Maintenant, on va attaquer la deuxième. Allez, putain, voilà. Vache.
Voilà. Re-salut. Donc, du coup, là, l'installation définitive. Donc, jusque-là, ça revient exactement au même. Donc, film à l'intérieur, peut-être, pour voir ce que ça donne du tuyau. Donc là, on voit bien la chicane avec les... avec la... Bien, comment ça s'appelle ? La laine de roche. La laine de roche. Enfin, non, c'est la laine de verre. La laine de verre. La laine de verre, hein. Donc, je vais faire le démarrage pour bah, toi, je vais mettre ma petite... Vas-y, en route. Sono. Oh, merde. À la même distance que tout à l'heure, vas-y. C'est impressionnant, on est passé de 94, 92, c'est ça? 92, je crois. Bon, 80, on va dire 92 à 84. Donc, c'est énorme. C'est énorme, hein, franchement, le gain. Alors, du coup, j'en ai profité, parce que là. De l'autre côté. Ouais, sinon, on est en contre-jour. J'ai tourné, on a fait une petite balade avec. Donc, j'ai injecté la nouvelle cartographie, parce que quand on installe des chicanes, enfin, surtout les quiet baffles. Pour refaire la cartographie, donc avec le fuel pack, j'ai spécifié que ma ligne, du coup, j'avais équipé les quiet baffles, et du coup, je trouve qu'elle est, elle a plus de patates à bas régime, elle a plus de couple, voilà, c'est ça, elle a plus de couple, et en dessous des 2000 tours, elle tape vachement moins. Avant, quand j'étais en ligne standard, en dessous des 2000 tours, ça, la bécane. Ouais, je sais pas, il y avait, c'est bizarre, ça cognait fort. Et là, depuis, en dessous les 2000 tours, ça cogne pas, c'est plus doux, c'est plus rond. Donc au final, je suis content, surtout pour le prix. Donc ouais, 50 euros à peu près. Et voilà, ça fait le job. Hein. Donc on verra à terme. Donc là, on a roulé à peu près 100 km. Donc sont quasiment rodés. Bon bah voilà, en tout cas la difficulté est assez simple, c'est juste chiant pour passer les vis et insérer les chicanes, sinon pas de difficulté particulière. Voilà, donc si ça peut vous aider, si ça peut, voilà.